TV at African Union at United Nations in New York City. We just finished a wonderful, powerful conference about investing in our African children. Today we are celebrating African Child Day. So I am with a prophet, you know, as a Miss Global Peace, it's my pleasure and honor to invite our brother from Cote d'Ivoire, far away in Cote d'Ivoire, to speak to you guys, Prophet Joe Crasso. How are you doing, my brother? I'm good, right. I'm speak French. No problem, okay. You can speak French, you can speak English. Il faut dire à nos écouteurs comment a été ton expérience aujourd'hui. Tout va bien par la grâce de Dieu. Je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Je viens de la Côte d'Ivoire et participer, à cette conférence-là. Une conférence annuelle de la journée mondiale de l'Afro-Africain. Et étant moi-même, celui-là qui a une ONG qui travaille dans le domaine de l'éducation de l'enfant et de la protection de l'enfant, c'était vraiment une expérience très merveilleuse. Parce que je me suis retrouvé avec les ambassadeurs, tels que l'ambassadeur du Gambie, l'ambassadeur de l'Union africaine qui était là. Du Cameroun, toutes les femmes, l'ambassadeur du Mali qui était là. Nous étions tous les ambassadeurs dans la salle. C'était vraiment merveilleux. Et puis j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer aussi des ONG. Voilà, des ONG, on a dû échanger les contacts et tout ça. Vraiment une expérience très merveilleuse parce qu'il faut sortir pour avoir des contacts afin de pouvoir, n'est-ce pas, aider d'autres personnes qui sont dans les besoins. Oui, si on ne sort pas, on ne peut pas savoir ce qui se passe ailleurs. Mais c'est clair. Vraiment, je suis content de vous voir ici à New York. Merci. Ah, c'est votre première fois pour venir ici aux Nations Unies, surtout à African Union? C'est ma première fois en Union africaine, ma première fois. Mais en Nations Unies, je suis déjà à l'ONU, et à New York, c'est ma deuxième fois à New York. Je suis là pour la deuxième fois à New York. Dans la salle, pendant la conférence, il y avait aussi les femmes et des ambassadeurs africains. Mm-hmm. Est-ce que vous avez eu la chance de rencontrer quelques-uns pour changer les idées, tout ça? Oui, je pense que ce qui était juste assis après de moi, c'est une présidente qui a une puissante ONG au monde. Je pense qu'elle m'invite tout à l'heure à son bureau, à 15h, heure d'ici à son bureau, c'est exactement quelque chose de très merveilleux. Elle était vraiment très contente de savoir que c'est le prophète Crasso, et donc elle m'invite tout à l'heure à son bureau. Voilà. Et j'ai eu l'occasion, après mon intervention ici, je crois que la Miss Burkina, m'a approché parce qu'elle a une ONG. Elle a dû prendre mon contact, on a échangé le contact. Il y a aussi une jeune dame qui travaille aussi dans la protection aussi de l'enfant et la construction des bâtiments, qui a aussi pris mes contacts. Donc on a échangé. Mais pendant mon séjour, j'aurai l'occasion de revenir, n'est-ce pas, afin de pouvoir personnellement travailler avec les femmes des ambassadeurs ou les ambassadeurs pour que je leur partage le projet, n'est-ce pas, comment, n'est-ce pas, nous aider à pouvoir aider les enfants. Alors, en parlant du projet, s'il vous plaît, il faut élaborer votre projet en Afrique, pour aider les enfants qui n'ont pas d'autres gens qui peuvent les supporter. Très bien. Et il faut d'abord dire, et ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il récolte. C'est-à-dire, ce qu'on met en terre, c'est ce qu'on récolte. Si nous ne savons pas d'abord l'éducation, il sera difficile d'avoir les enfants éduqués. Et si les enfants éduqués sont très bien, seront déjà nuisibles. C'est un danger pour la société. Donc déjà, moi, étant enfant orphelin, J'ai perdu ma mère, très tôt, j'ai perdu mon père très tôt. Et moi, mon ambition, c'était d'abord de construire un orphelinat. C'était mon rêve, c'était de construire un orphelinat. Parce que je sais ce qu'on appelle être orphelin. Étant dans la région dans laquelle je travaille, j'ai aidé. Et c'est à fond propre, que j'ai pu construire un orphelinat. Et avant que je construise l'orphelinat, je vais déjà commencer à aider dans l'éducation. Je constate que je suis dans un village, ils ont renvoyé 30 élèves parce que j'avais un problème d'inscription qui allait à hauteur de 3000 francs par enfant. Et 30 enfants étaient renvoyés. Donc moi, j'étais obligé de payer et ramener les enfants à l'école. Donc chaque année, j'ai pour coutume, d'envoyer des kits scolaires comme ça pour l'éducation.
Voilà, donc moi je suis dans l'éducation, la protection de l'enfant. Voilà, donc mon projet, c'est, nous avons déjà conçu l'orphelinat de Divo, je suis à Divo, à 2h15 d'Abidjan. Nous avons cette vision de construire une école, c'est-à-dire un complexe scolaire pour permettre aux enfants vraiment de bénéficier d'une éducation adéquate. Et je pense même qu'on a aussi besoin, parce que tout récemment, il y a une ONG basée à Dallas qui nous a offert des chaussures. Nous venons de donner ces chaussures aux enfants. C'est vrai que chez nous, c'est difficile. Un enfant peut avoir des cartes scolaires pour aller à l'école, mais il ne peut pas, ne pas avoir des chaussures. Ouais. Voilà, ne pas avoir des chaussures. Donc, on a aussi besoin aussi des vêtements, on a besoin aussi des habits. Des habits pour que les enfants puissent vraiment s'habiller. Et on a aussi besoin que les enfants aient de la nourriture, parce que c'est vraiment un problème. Un problème. Chez nous, en Afrique, un parent, quand il se lève matin, il pense qu'à lui d'abord et l'enfant vient en seconde position. Oui, c'est vrai. Voilà, seconde position. Donc, un enfant qui a un ventre, le ventre vide, il a aussi un danger, il deviendra un danger. Parce que quand le ventre est vide, on peut être voleur, on peut être. Parce que un ventre vide, vous savez, on est exposé à beaucoup de choses. Donc, pour nous, un enfant doit être protégé. Pour nous, beaucoup de choses. Donc, on a besoin de moyens pour aider les cantines. Parce que les cantines scolaires dans nos régions ont besoin d'être subventionnées, aidées. Et on a besoin vraiment de prendre vraiment l'enfant, l'éducation de l'enfant. Donc, notre projet, c'est qu'il y a aussi le complexe scolaire. Tout le monde va un complexe scolaire. Et permettre aussi à l'enfant. Nous avons besoin de voitures. Je suis tout même chez nous, dans mon complexe. On a besoin de voitures pour travailler. Et travailler dans le but de pouvoir ramasser les enfants, leur amener à l'école, puis leur amener. Et on a aussi besoin aussi, n'est-ce pas, aussi des cars pour aller aussi faire la sensibilisation dans les villages, pour s'imprégner des difficultés que vivent les enfants dans les certaines régions de nos villages. Parce que moi, je travaille beaucoup dans les villages, et les enfants qui ne sont pas en bonne santé, les récupérer, leur apporter une assistance. Les enfants qui ne sont pas déparasités, il faut les aider. Voilà, donc c'est un peu notre vision. Alors, quand vous parlez d'aider, il faut bien clarifier qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent. Oui, c'est que j'ai besoin. Donc, ce dont on a besoin des moyens. On a besoin des moyens financiers. C'est-à-dire l'argent. Oui, on a besoin d'argent pour nous aider, on a besoin d'argent. Cet argent nous servira, nous, de payer notre personnel, parce qu'on travaille avec une équipe, payer le personnel, mais en même temps, n'est-ce pas, s'occuper de la construire, comme je disais, un grand complexe scolaire, c'est-à-dire de CP1 jusqu'à la terminale. On commence de CP, ou bien de la crèche, c'est-à-dire maternelle, de crèche, jusqu'à la terminale, et pour que nous-mêmes, étant, n'est-ce pas, responsables de cette ONG, on puisse aussi, n'est-ce pas, suivre aussi ce projet. Parce que non seulement on est dans l'orphelinat, mais les enfants fréquentent ailleurs. Vous voyez, les enfants fréquentent ailleurs. Ce n'est pas parce qu'on doute de l'éducation que les gens leur apportent, mais on aimerait aussi, n'est-ce pas, propriétaire aussi d'un complexe aussi scolaire, afin de pouvoir, n'est-ce pas, bien suivre le travail que nous avons commencé dans la vie des enfants. C'est vrai que l'orphelinat n'est pas une école. Voilà, c'est la brise, c'est une maison où les enfants restent, mais ils sont obligés d'aller fréquenter quelque part d'autre. Donc ça veut dire que le projet n'est pas complet. Voilà. Si à côté de l'orphelinat, si nous avons aussi un complexe scolaire, c'est-à-dire la crèche, la maternelle, la crèche, jusqu'en terminale, je pense que nous autres, nous aurons un travail de fond, parce qu'il y a aussi l'éducation, mais il y a aussi le volet spirituel. Nous prions avec les enfants, nous les aidons psychologiquement. Nous avons besoin des moyens, tels que les cars, nous avons besoin des chaussures, nous avons besoin des vêtements, nous avons besoin de la nourriture. Voilà, nous avons besoin de la nourriture. Donc, vous pouvez appeler. Moi, j'en profite en même temps pour dire, vous pouvez appeler. Nous avons les numéros de téléphone. Je préfère les numéros de téléphone. C'est le 00-225-47-07-23-28. 00-225-47-07-23-28 ou 00-225-32-76-38-90. Vous appelez pour apporter votre soutien à cette heure qu'ils sont en train de faire dans Côte d'Ivoire, précisément dans la région de Divo, à 2h15 d'habitants. Vous avez aussi un site web? Oui, il y a un site web. Vous partez sur le site web, c'est www.fondationespoirdevie.org. www.fondationespoirdevie.org. Voilà, vous avez tout, n'est-ce pas, nos activités sur le site. Alors, quand les enfants finissent l'école, est-ce que vous planifiez de créer aussi Entrepreneurship Income Generating Activities pour aider les enfants, les orphelins quand ils grandissent, pour les aider de créer quelque
Au cas où ils ne trouvent pas le ils ne deviennent pas fonctionnaires. Oui, et nous de la maternelle, notre vision de la maternelle, de la crèche jusqu'à la terminale, c'est pour permettre à l'enfant d'aller à l'université, pour permettre à l'enfant d'être cadre demain et se prendre en charge. Mais par contre, nous avons une vision, nous avons, n'est-ce pas, cette vision de créer des centres de métiers pour les enfants de la rue. Voilà, pour les enfants de la rue, c'est des centres de métiers tels que la pâtisserie. Il faut créer la pâtisserie, la coiffure. Il faut créer la pâtisserie, la coiffure, l'élevage pour permettre à ces enfants de se prendre en charge. Nous avons apporté de ça, cette vision aussi, de créer des centres de métiers, la pâtisserie, coiffure, élevage. Parce que chez nous, l'élevage peut nourrir un homme, l'élevage. On n'a pas forcément besoin d'aller avoir un bureau. Celui qui vit de l'élevage est mieux par rapport à celui qui est dans un bureau. Celui qui a une pâtisserie est mieux par rapport à celui qui vit dans un bureau. Celui qui cultive la terre, moi aujourd'hui des plantations de qu'on appelle le gemgem. Voilà, un hectare de gemgem pourrait vous retourner 15 millions en 4 mois. Voilà, un hectare de gemgem. Donc, la terre qui est là, ça ne trompe pas. Donc, il faut ramener les gens pour dire, il faut les amener à se prendre en charge, à connaître la valeur de la terre. Donc, c'est un peu à côté de ça, voici un peu nos activités que nous voulons créer. Mais nous avons besoin de moyens. Sans les moyens, il sera vraiment difficile de réaliser nos projets. Voilà, ce sera difficile. Oui, en écoutant beaucoup de projets que vous avez aussi, on aura besoin des volontaires. Il y a des gens qui travaillent, qui sont dans les métiers, qui peuvent venir donner prêter leurs services. Dès que la formation, il faut que les gens viennent former les gens. Parce que pour nous, on s'est dit, les jeunes qui ne sont pas allés loin à l'école, qui sont retournés à la terre, bien sûr qu'ils font la terre, mais qui ont besoin d'une formation. Ça, c'est vraiment très important. Et puis, c'est un peu notre vision. De permettre à ceux qui sont même dans les villages de comprendre que ce n'est pas une fin en soi d'être dans un village, mais étant dans un village, on peut se prendre en charge. On peut se prendre en charge. Mm-hmm. Voilà, donc c'est un peu ça. Oui, c'est ça. Waouh! Vous avez dit que vous êtes orphelin. Je suis orphelin de père et de mère. Je suis orphelin de père et de mère. J'ai perdu ma mère très tôt. Et j'ai perdu après mon père. Et j'ai perdu tout le monde dans la famille. Mm. Je suis pratiquement le rescapé de la famille. À cause de la sorcellerie. Voilà, c'est à cause de la sorcellerie. Ah oui, je suis le seul, pratiquement. La sorcellerie? Oui, la sorcellerie. Donc, je combats aujourd'hui. Je combats aujourd'hui la sorcellerie. La sorcellerie, c'est la définition, c'est tellement simple. J'aime même l'expression de ton visage qui dit que c'est un danger ce que je suis en train de dire. C'est dangereux. J'aime l'expression. C'est comme ça que tout le monde doit avoir la sorcellerie. Parce que la sorcellerie veut dire celui qui détruit et celui qui cause beaucoup de dégâts. Donc, quand il y a la sorcellerie, quelque part, il y a le retard. Un sorcier qui vient de commencer la sorcellerie, il doit tuer une personne par mois. Donc, il a un an, c'est-à-dire 12 personnes, pour monter un grade de deuxième degré de la sorcellerie. Et quand il arrive au deuxième degré de la sorcellerie, il doit tuer une personne par semaine. Après ça, il monte à troisième degré, où il devient responsable d'une confrérie, c'est-à-dire il est responsable. Oui, tue une personne par jour. Donc, la pratique de la sorcellerie en tant que telle, elle est crime contre l'humanité. La pratique même de la sorcellerie. Oui, cette oui. pratique-là, elle est crime contre l'humanité. Voilà, donc il faut que les gens reconnaissent, nos dirigeants reconnaissent, parce que celui qui dit que la sorcellerie n'existe pas, c'est qu'il met les sorciers. Parce que si c'est un nom, c'est que ça existe. Parce qu'on ne peut pas nommer ce qui existe. Or, si c'est un nom, il faut savoir comment ça fonctionne. La sorcellerie, ce n'est pas forcément celui qui mange à rêve, mais c'est celui qui fait des pratiques mystiques pour tuer l'autre. Dans les services, nous voyons les gens qui font des talismans, les fétichismes, le maraboutage, pour tuer. C'est tout ça qu'on appelle sorcellerie en général. Ouais. Et tous ceux qui sont dans la magie, c'est tout ce qu'on appelle la sorcellerie. Et quand l'Afrique comprendra, ou bien les gens comprendront que ça, ce genre de truc, il faut les mettre au second plan, et puis il faut chercher véritablement Dieu, je pense que ça va aller mieux. Parce que les Blancs, les Occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, ils sont aujourd'hui les pays, ils font partie des pays émergents. On les a tous tués. On les a tués qu'on appelle au 15e siècle, du 15, 16, 17e siècle, 3 siècles. Ils ont brûlé les sorciers. Ils ont connu un siècle glorieux qu'on appelle le 18e siècle, le siècle de l'humain de la révolution du soleil. Voilà. En tant qu'orphelin, grandi orphelin vous-même, alors qu'est-ce qui vous a donné le courage d'oriter, de ne soit pas victime? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui racontent beaucoup de problèmes. Oui, qui sont orphelins, qui dévient. Voilà, moi, merci pour la question. Moi, j'ai eu cette chance de connaître Dieu. Et c'est ça, cette chance. Et je me dis, parce que quand tu es orphelin,
On ne peut pas seulement penser un père, on ne peut pas penser une mère. Qu'est-ce que ça soit un nom, que ça soit tout, il ne peut pas prendre la place de, de ton père parce qu'il a aussi des obligations, il a aussi des enfants. Donc moi j'ai été aussi victime de ça, moi personnellement. Les gens peuvent venir prendre des engagements, ils vont essayer de te mettre à l'école, mais ils ne pourront pas t'aimer comme si c'était ton père. C'est vrai. Voilà, donc et puis c'est Dieu. C'est quand j'ai connu Dieu, et franchement, qui m'a aidé. Parce que si je me disais aujourd'hui, si je n'avais pas connu Dieu, peut-être qu'il allait dévier, Donc il faut aider, il faut les aider. C'est pour cela qu'aujourd'hui, mon rêve, c'était vraiment d'être un jour avec les enfants orphelins. Et quand je suis à l'orphelinat que j'ai créé aujourd'hui, par la grâce de Dieu, et je remercie Dieu parce que c'était mon rêve, je le remercie pour ça, je leur partage mon expérience. J'ai dit aux enfants, vous et moi, nous sommes orphelins. Ne me voyez pas comme un... Mais on est tous orphelins. Voilà, puis je leur ai dit, comment, pourquoi je suis arrivé là? Et non, je leur ai dit d'être, avoir un esprit positif. Ouais. C'est ça, il faut être positif dans la vie. Mm-hmm. Il faut compter, il faut se dire que ça va un jour marcher. Oui, oui, c'est et ça. Et donc, je fais de ces enfants qui sont à l'orphelinat, deux des champions. Parce que c'est très important. C'est ce qu'on a en nous qui nous booste et qui fait de nous des grands. Donc, il y en a plein qui ont besoin d'entendre des bonnes paroles pour les aider à booster. Ouais, ouais, ouais. Mais comme aujourd'hui, on ne leur donne pas cette occasion de pouvoir entendre ces bonnes paroles, ils se retrouvent dans la rue. Mm-hmm. Ils ont été frustrés parce qu'ils sont morts, ils ont perdu papa et maman. Et la société les a rejetés, ils comptaient si quelqu'un l'a rejeté. Donc les enfants qui sont constamment dans la rue. Je prends l'exemple d'une jeune fille qui se retrouvait dans les chaînes à cause de la sorcellerie. Mm-hmm. Elle a fait 2 ans. Mm-hmm. Cette fillette-là, elle a fui. Et je l'ai récupérée. Mais je documente cette fille aujourd'hui, une fille qui chante très bien. Oui, oui, j'ai vu la vidéo. Ah là, tu as vu la vidéo. Et... Elle est très intelligente. Voilà, elle est très... Je l'ai montré la vidéo. Oui, il m'a montré la vidéo. Puis je l'ai expliqué un peu tout à l'heure. Comment on aide, on arrive à aider les gens. Pendant que les gens disent que l'enfant, il est mauvais, il est sorcier, mais Dieu délivre les sorciers. Oh, ouais, ouais. La sorcellerie, ce n'est pas une fée en soi pour dire qu'on est sorcier, il faut rejeter. Dieu ne rejette personne. Oh, ouais. Donc, mais on découpe en aide parce que la sorcellerie, c'est un esprit. Quand l'esprit sort du corps, mais la personne, avec tous ses talents, avec toutes ses facultés, et puis on a commencé à l'aider. On ne cherche même pas à savoir quoi ce que son parent, son père doit emporter. Mmh. Je pense que quand on connaît Dieu, il y a l'amour de son prochain. Mmh. Et ça, c'est vraiment très important. C'est ce que je disais, je remercie M. Dosso et Mme Dosso. Mmh. Cette histoire de sorcellerie, ça n'a rien à voir avec une religion. En tout cas, bravo, c'est les musulmans, mais c'est eux qui m'apparaissent de vous. Oui, mais c'est pour dire... J'aime. Merci, parce que... C'est des gens qui sont dans un combat très noble. Ouais, ouais, ouais. J'ai toujours dit, celui qui me combat, c'est un sorcier. Celui qui n'aime pas mon affaire, il est du diable. Parce que quelqu'un qui dit tue, et moi je dis qu'il ne faut plus tuer. Ouais, donc il n'y a pas à me combattre. C'est la parole de Dieu. Voilà, il n'y a pas à me combattre. Voilà, celui qui dit, les gens, les sorciers, ils tuent. Les sorciers, ils tuent. Moi je ne veux plus qu'ils tuent les gens. Parce que tu n'es pas obligé de tuer. Ouais, ouais, ouais. Si tu veux tuer, va tuer, mais laisse les êtres humains. Or, l'être humain l'être sacré. L'homme est sacré. Il ne faut pas le détruire. Il est trop sacré aux yeux de Dieu. Donc, c'est le combat que nous menons. Non, c'est pour cela que celui qui combat le prophète Crasso, c'est vrai qu'il y a des gens qui me combattent. Parce qu'ils savent que je fais le travail de Dieu. Donc, ils n'aiment pas le travail que je fais. Parce que délivrer un sorcier, c'est comme tu as délivré une famille. Il n'y a pas une famille, il n'y a pas de sorcier. Mmh. Voilà, donc, celui qui combat le prophète Crasso, ça veut dire qu'il est sorti lui-même. Donc c'est pour ça qu'il dit merci. Elles sont musulmans. Mais ça n'a jamais dérangé nos relations. Ça n'a jamais affecté sur nos relations. Pour ça. Parce qu'ils comprennent que ce que je suis en train de faire, ça n'a rien à voir avec nos religions. Je suis en train d'apporter quelque chose dans l'humanité. En train d'aider les gens. En fait, ils ont dépassé une autre étape. C'est ça qu'on appelle la maturité. Voilà. C'est ça qu'on appelle la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Voilà. Quand on a la maturité spirituelle, les barrières ethniques, les barrières religieuses, on se met au-dessus de ça. On est chrétien, chrétien peut manger le musulman. Moi, mon chauffeur qui me roule à Abidjan, il est musulman. Oui, voilà. Parce qu'à la fête de cette vie-là, nous tous on parle la même chose. Hein? Voilà, c'est Dieu. C'est le bon Dieu. Voilà, comme vous êtes orphelin, je suis vraiment ravie de vous connaître. Je ne savais pas que vous êtes orphelin parce que vous avez contribué beaucoup de choses au monde entier. Vraiment, gloire à Dieu qui vous avez protégé. Quel message que vous voulez donner aux orphelins? Parce que je suis orpheline du génocide au Rwanda. Wow. Je travaille avec beaucoup des orphelins. Quel message que vous pouvez donner aux orphelins? Le message très fort que je peux donner aux orphelins, c'est pour lui de prendre courage. C'est qu'ils vivent. C'est la vie.
Mais c'est qu'il doit comprendre une chose que je dois te mettre au-dessus. Si on n'a plus papa et maman, s'ils vivent, qu'est-ce qu'ils apportent à l'humanité? Voilà, il ne faudrait pas que... Parce qu'est-ce qu'ils apportent à l'humanité? Si ton père ne vit plus, que ta mère n'a plus, toi qui es orphelin, ouais, qu'est-ce que tu apportes à l'humanité? Il faut être utile. Voilà, il faut être utile. Donc, pour être utile, je pense qu'il y a une manière de vivre sa vie. Il faut se retrouver dans la présence de Dieu. Il faut pas en vouloir ton prochain. Il faut pas en vouloir. Et puis, il faut te dire, je vis pour apporter quelque chose. Ouais. Moi, c'est ce qui m'a aidé jusqu'aujourd'hui. Je me suis dit, si mon père ne vit plus, ma mère ne vit plus, moi, grâce au Joël, bien sûr, je dois apporter quelque chose à l'humanité. Donc, je me bats pour préserver mon image, parce que c'est très important, ouais, pour préserver mon image. Je me bats pour ne pas décevoir la mémoire de mes parents. Mm-hmm. Parce que mes parents sont morts. Ouais, ouais, moi, je suis vivant. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a tout ça. Mm-hmm. Donc, j'ai dit qu'on est orphelin, ce n'est pas une fille en soi. Ce n'est pas parce qu'on est orphelin qu'on doit être dans la rue. Ce n'est pas, mm-hmm, parce qu'on est orphelin qu'on doit forcément prendre une arme pour aller braquer. Pas parce qu'on est orphelin qu'on doit forcément dire c'est fini. Pleurer tous les jours. Pleurer tous les jours. Mais ben, je pense qu'il faut croire en soi. Il faut se dire tu es orphelin, bien sûr, mais tu dois apporter quelque chose à l'humanité. Et puis faut être positif dans la tête. Waouh. Ok. Message que tu peux donner aussi aux gens qui manipulent, qui violent les orphelins, qui profitent la façon d'être orphelin et puis fait les mauvaises choses. Oui, franchement, ce que tu dis est beaucoup touchant. Moi, je protège l'enfant. L'enfant, il est vraiment innocent. Je n'aime pas qu'on touche à l'enfant. Parce que j'ai été moi-même victime de beaucoup de choses dont je ne parlerai pas maintenant. Mais je pense que, franchement, c'est méchant. C'est méchant d'abuser d'un enfant parce que c'est l'enfant orphelin. Effectivement, les enfants qui sont orphelins, ils n'ont plus les défenses, tu comprends? Donc les gens aiment vraiment abuser. Mais je pense que c'est pas bon. En le faisant, c'est pas bon. Je pense que tout le monde payera ça un jour. Ouais, tout ce que nous faisons ici, nous allons payer ça devant Dieu. Ce que nous faisons ici, nous allons payer ça. Et c'est pas bon. Et quand on a un orphelin, il faut l'aider. Parce que les cris des orphelins crient à Dieu. Et la Bible dit que les enfants, les orphelins, le Dieu que nous prions est le père des orphelins. Et c'est toujours très important. Si vous voyez un enfant en orphelin, moi j'ai toujours l'habitude de dire, il faut aider les gens que Dieu leur fait du mal. Ouais, ouais. Voilà. Non, si tu ne peux pas aider, il ne faut pas aussi faire du mal à quelqu'un. Mmh. Voilà. Donc, il faut mieux aider que de faire du mal. Voilà. Donc, franchement, c'est méchant. C'est méchant de faire du mal à quelqu'un qui est sans défense et qui est sans force, qui est faible, tel qu'un enfant en difficulté, qu'un enfant de violer et tout ça. Mais je pense que ce qui doit nous animer, c'est de faire plus du bien que de faire du mal. Et puis, vous êtes vraiment un bon exemple de montrer qu'on peut être orphelin. Et puis, on devenir quelqu'un. Quelqu'un. Et puis, créer orphelinat. Et puis faire des orphelins des meilleurs. Oui, oui, oui. Ouais, c'est ma vision. C'était ma vision, c'était mon rêve. Et puis je remercie Dieu. Je suis orphelin. J'ai grandi avec cette vision. Orphelin que je suis, je peux être un modèle en créant un orphelinat. Et puis parler aux orphelins pour qu'en regardant mon exemple, ils ne puissent pas être découragés. Et puis je peux toujours leur parler pour dire, moi et vous, nous sommes orphelins. Voilà, je n'ai pas créé l'orphelinat parce que j'avais envie de le faire. Mais j'ai créé parce que c'était une ambition. J'ai une expérience. Et j'ai dit, vous aussi pouvez être aussi quelqu'un de demain. Mais oui, oui. Et puis tu ne te limites pas aussi seulement sur les orphelins. Tu aussi contribues avec ta façon de prophète, la puissance que le bon Dieu vous avait donnée. Ah, mais c'est important. Le Saint-Esprit. Oui, vous contribuez à la communauté. Oui, c'est la communauté. Au niveau de extraordinaire. Oui, aider les gens dans le domaine de la délivrance, aider les gens parce que c'est un don que Dieu donne. Dieu nous utilise pour guérir les malades, ceux qui sont diabétiques, ceux qui ne marchent pas, ceux qui ont tous les problèmes. Dieu nous utilise puissamment. Et il y a des personnes qui ne marchaient pas, qui étaient paralytiques, qui ont été guéries par la puissance du nom de Jésus-Christ au travers de notre ministère. J'ai vu beaucoup de miracles, même des bébés morts dans le ventre qui ont été guéris, je l'ai vu. J'arrive ici à New York, vous allez voir. Aujourd'hui, je suis à l'Union africaine pour, n'est-ce pas, participer à cette grande réunion internationale. Mais je serai ici à New York, je reviendrai personnellement à New York pour le programme de New York, bien sûr, qui va démarrer. Le programme de New York démarre à partir du 2 au 13. Alors, en tant que média, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce qu'un média peut faire pour vous aider, pour aider aussi les orphelins? Mais vous avez entendu, moi je pense que c'est de nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire. On a toujours besoin de communiquer. Et donc, je pense que votre apport, votre aide à vous, c'est de nous accompagner dans la communication et de nous aider, n'est-ce pas, dans la communication.
Ok, en tant que prophète, s'il vous plaît, il faut bénir les gens qui vont voir cette vidéo. Je pense que vous êtes bénis. Et la seule chose que vous devez faire, c'est de chercher Dieu. Pour être vraiment béni, c'est vrai que le prophète bénit, mais franchement, je vous appelle à rencontrer Dieu. Et quand vous avez Dieu, vous serez donc béni. Je vous invite de 2 au 13 ici à New York, vous aurez un grand programme. Et la semaine prochaine, je pars au Texas. Le 22, je serai au Texas. Et tout le week-end, pour un grand programme de délivrance au Texas. À Dallas, précisément à Dallas. À Dallas. Oui, je serai à Dallas. Je vais au Texas le jeudi prochain et je serai à Dallas pour la délivrance. Donc soyez bénis, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le monde entier et surtout que Dieu protège les enfants. Amen.